Salut amis pêcheurs, je suis heureux ce soir de vous présenter la nouvelle rubrique du team pour son site, à savoir le 10 minutes du team. Le 10 minutes du team parlera pendant 10 minutes, pas plus, sauf ce soir pour vous présenter cette nouvelle rubrique, d'un sujet qui a trait à la pêche à la truite, bien entendu, essentiellement. Il m'étonnerait qu'on s'évade sur d'autres horizons. Maintenant, il faut voir, peut-être, on ne sait jamais. Vous savez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis non plus. Hein. Donc, ce soir, pour une première, nous avons choisi, j'ai choisi plutôt, parce que je suis seul. Donc, j'ai choisi un sujet épineux qui fâche pas mal de pêcheurs. C'est le wader. Le wader. Cet équipement qui est indispensable pour beaucoup d'entre nous apporte beaucoup de mécontentement chez tous les passionnés de la truite. Pourquoi du mécontentement? Alors tout d'abord parce que l'ensemble des pêcheurs trouvent cet équipement excessivement cher. Alors oui, il y en a des chers, mais il ne faut pas oublier que ça varie de 50 à 10 fois plus cher, il est vrai, et que ça dépend de quel wader on parle. Si on parle d'un wader en PVC, c'est relativement donné, on va dire. Si on parle d'un wader en néoprène, donc là, les prix commencent à gonfler un petit peu. Et le plus cher, donc, bien entendu, c'est le wader respirant. Après, beaucoup de pêcheurs se plaignent de la qualité du wader. Beaucoup disent, moi, une saison, il est mort. Moi, max 2 saisons, et j'ai du mal à finir la deuxième saison. C'est de la merde, patin, couffin, c'est pas normal que les marques nous vendent ça et tout. Ouh, pop, 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 pop. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat des marques, pas des marques. D'ailleurs, j'en citerai aucune marque. Mais il est vrai que il y a à boire et à manger, comme on dit. Effectivement, si tu prends Wader, on va dire PVC. Alors, ce wader, il est bien, il est costaud et tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il est lourd? Mais qu'est-ce qu'il est lourd? T'as 6 mois de pause entre la fermeture et l'ouverture. 2 mois avant la réouverture de la pêche, t'es obligé de t'inscrire à la salle de sport pour pousser de la fonte, tellement ton wader il est lourd, tu ne le supportes pas. Et puis après, il a un autre inconvénient. Ah, il a beau être costaud, mais alors, dès qu'il commence à faire chaud, laisse tomber, c'est invivable. Et à ce moment-là, on va faire gaffe de bien cacher la marque quand même, il faut bien que tu te balades avec ça dans la poche. D'accord? Tu prends ton gel douche. Parce que tellement il fait chaud à l'intérieur, tu ruisselles, tellement que tu as l'impression d'être sous la douche, tu mets un petit peu de gel douche et avec la transpiration, mon pauvre, t'es lavé. T'es lavé quand tu sors de là-dedans. Pas besoin de te redoucher. Après, il est solide, c'est sûr. Après, tu as le wader à néoprène. La wader en néoprène, il est vachement bien au mois de mars quand tu attaques la saison. Tu as chaud dedans, tu es bien et tout. Après, plus tu avances au printemps, ça commence à être limite. Et en été, franchement, même si tu transpires moins que dans un PVC, c'est pas très agréable quand même. En plus, il est quand même lourd, il faut le dire. Il va se déchirer autant que les autres. Hein. Les épines, il n'aime pas, autant que les autres. Et puis, il a un gros défaut, c'est au niveau de la jointure entre le néoprène et la botte. Ça a souvent tendance, quelles que soient les marques, à se craqueler. Et si ça pète à ce niveau-là, tu peux aller chez ton revendeur d'articles de pêche et en commander un autre. Hein. Seule solution, parce que la réparation, quasiment impossible. Après, nous avons le wader respirant. Donc, ce wader respirant, c'est le haut de gamme, le plus cher. Il est agréable à porter, il est léger, tu le sens presque pas, tu transpires pas dedans, c'est nickel. Après, tu as une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches. Et ça dépend ce que tu veux, ça dépend le prix que tu veux y mettre. Après, c'est quand même un wader hyper, hyper fragile. Donc, déjà qu'il est fragile et que tu peux le flamber à tout moment. Quand tu pêches, il faut là quand même que la qualité y soit. Et bien souvent, c'est vrai, elle n'y est pas. Alors, je vais vous montrer un exemple sur des waders, des marques différentes, des anciens waders que j'avais. Donc tout d'abord, là, sur le produit, c'est vraiment flagrant, donc on voit bien
le pic donc de la couture. Et au niveau de la solidité, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose. Donc, Le wader il est à l'envers, donc ça présage pas quelque chose de bon, et ça n'a pas présagé quelque chose de bon parce qu'au niveau des coutures, j'ai rapidement pris l'eau. Et ça, c'est pas normal. Deuxième sortie, que tu prennes l'eau, c'est vrai que quand tu mets 200 dolces dans un wader, c'est pas normal. Après, ça se pète relativement bien aussi à la jointure entre le chausson et ton wader. Donc, ça vient entre la jointure, donc comme on voit, une première réparation ici, entre la jambe. Donc là, nouvelle réparation, toujours au même endroit. Donc là, par contre, c'est le fait d'une branche, donc le wader en lui-même n'y peut. Et autre problématique sur deux waders de marques différentes, les chaussons qui se pètent là au bout du pied. Alors pourtant, j'ai pas les orteils crochus qui remontent, je me coupe régulièrement les ongles, donc je vois pas comment ça peut se péter. En plus, je vais péter avec deux marques de chaussures différentes de wadding, donc ça vient pas des chaussures de wadding. Wadding, chaussures de wadding, un autre sujet qu'on pourra débattre prochainement, parce que là aussi, c'est comme le wader, c'est peut-être pas trop le top. Donc, il est vrai que au niveau des coutures, il faudrait des coutures, des chaussons, il faudrait peut-être que nos marques fassent quelque chose pour pas que ça se pète comme ça, parce que on le flambe nous-mêmes très bien ce wader. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, doubler peut-être ses coutures, qu'on voyait pas ses points, on renforce à l'intérieur au niveau des coutures, et là, peut-être que ça prendrait pas l'eau, que la moindre ronce qui va venir se planter dans la couture ne va pas te faire un micro-trou et qui va te permettre de te baigner pendant toute la journée après. Alors, au mois de mars, c'est un peu casse-couille, hein, il fait un peu frais quand même, c'est pas top. Tu as aussi également autre chose, alors peut-être que les marques y ont pensé, ou peut-être qu'une marque vous sortira un jour et là vous vous rappellerez que je l'avais proposé. Vous savez, là sur les téléphones, bon, moi j'en ai pas, mais sur les téléphones on colle très souvent un petit film en plastique assez léger et résistant. Vous ferez l'expérience, essayez avec un fil barbelé de rentrer dans ce petit film plastique. Et vous verrez ce que ça donne. Ça a tendance à glisser. Donc là aussi, on a tendance à péter nos waders en prenant un barbelé, ce que vous voulez, sur le devant, entre la cheville et le genou. Pourquoi ne pas mettre un renfort donc sur le devant, donc qui partirait du genou à la cheville, avec un type de matière comme ça, en mettant juste un petit renfort qui le cacherait entre la couche du wader, on met ce petit film plastique, on recouvre avec une autre petite couche, et là, même si on pète la première couche, on transperce pas le wader. Donc, c'est une idée que je donne. Peut-être elle est débile, peut-être qu'elle n'est pas faisable, mais au moins je donne une idée. Parce que moi, j'ai vu des waders qui sont renforcés au niveau des fesses. Alors, certes, si tu prends les deux gamelles, ça, peut-être que ça amortit la chute, t'as moins mal au cul, mais bon, moi j'ai jamais vu un wader se percer au niveau du cul. Alors, même si t'en lâches une bonne caisse, tu vas t'en fumer, mais bon, ça va pas déchirer ton wader. Ça, c'est clair, donc je vois pas l'utilité, je le préférerais devant. Après aussi, soyons honnêtes et soyons logiques. Nous sommes aussi des acteurs pour défoncer notre matos ou ne pas y faire attention, d'accord? Puis ça dépend où c'est qu'on pêche également. Le mec qui me dit, ouais, moi ça fait 10 ans que j'ai le même wader, ah, c'est une super marque, je comprends pas où c'est que vous l'achetez et tout ça. Eh ouais, Coco, tu fais deux sorties dans l'année, tu fais deux sorties dans l'année, tu peux le garder 20 ans ton wader. Tu fais deux sorties dans l'année, tu vas dans un endroit où c'est qu'il n'y a pas une ronce. Donc sans déconner, arrête de me faire rigoler avec ça. Ça dépend de où c'est que tu pêches, ça dépend du milieu, d'accord? On ne peut pas, un mec qui va aller dans la pampa, comme sur cette image par exemple, ici on est bien content de sortir de cette galère où c'est qu'on était en Corse, quand tu sors de là-dedans, même pas tu penses à ton wader quand tu y es, et comme si c'était pas suffisant, tu repars dans cette galère-là. Voilà. Donc quand tu es là et quand tu arrives au bord de la route, tu regardes ton wader, tu fais, oh putain, fada, j'ai défoncé le wader. Ouais, mais t'es content d'être sur la route, je te le dis. Donc, à des moments aussi, le milieu est mortel, hein, que ce soit les branches que tu vois pas, même si tu penses que tu es dans l'herbe, il peut y avoir une branche, pouf, ça rentre facilement dans le wader. Il y a également
Il y a également les barbelés que tu peux avoir dans la rivière, une clôture qui est tombée, quoi, dans les cellas, et puis bam, toi tu la vois pas, il craque, tu ressors de l'eau, tu sens que tu prends l'eau et t'as pris un barbelé. Il y a les cons aussi qui prennent la rivière pour un dépotoir, qui vont balancer tout et n'importe quoi, de la boîte de conserve au tesson de bouteille, et très facile donc d'ouvrir ton voie d'air. Mais où c'est que tu ouvres principalement ton voie d'air, je le rappelle, c'est entre le haut du genou et la cheville. Donc c'est là qu'il faut agir, je pense. Et autre chose aussi, tu prends pas, après une sortie de pêche, tu mets pas ton voie d'air en boule, tu le ranges, tu le jettes au fond de la voiture, et tu arrives à la maison, tu le jettes au fond du garage. Et tu repars à la pêche la semaine d'après, tu ouvres ton truc là, tu ouvres ton boîtier, et puis là, tu prends une odeur là de pourriture moisie, bon, tu vas le mettre quand même hein, parce qu'il faut que tu ailles dans l'eau. Et bon, à force, tu vas te dire ça passe et tout, oui, mais ton boîtier, tes coutures, tout ça là, c'est pas bon pour ton boîtier, pas bon du tout. Donc, au boîtier, on rentre dans la pêche, on le pend sur un cintre et on le laisse sécher comme ça, d'accord. On le laisse surtout pas sécher au soleil, c'est très mauvais pour le boîtier. Après, allez-y, hein. Il y en a qui le mettent en machine à laver et qui le mettent dans le sèche-linge. Allez-y, mais c'est très 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 mauvais pour la résistance de votre voie d'air. Voilà, donc en conclusion, oui, les voies d'air sont chères. Oui, ça dépend, on peut mettre un prix fou et être déçu à la première ou à la deuxième sortie. Mais maintenant, soyons aussi logiques, tout n'est pas la faute des marques. Il y a la faute du pêcheur, il y a la faute du milieu. Le milieu est le pire ennemi du voie d'air. Mais par contre, s'il vous plaît les marques, un petit effort. Essayez de réfléchir à ce que je vous ai dit pour protéger donc le devant du voie d'air. Ouais, bon. Maintenant, moi, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai pas fait ma tup, loin de là. Donc peut-être que c'est une grosse connerie. Je ne tente rien d'essayer et de nous pas apporter ces quelques petites améliorations. Ainsi s'achève cette première du 10 minutes du team et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un sujet tout aussi épineux et qui nous tient à cœur, les barrages et centrales qui polluent nos rivières.